Alors, le démarrage du live non annoncé vient d'être arrivé, ça y est. Alors, bonjour, je suis en direct ici sur la chaîne Agriculteurs d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous m'avez correctement? Voilà, apparemment, il y a un petit problème de capture d'écran 2. Hop, voilà. Alors bonjour à ceux qui arrivent sur le chat. Salut Agripation, il y en a qui sont au taquet. Je voulais simplement faire un petit essai donc de live pour voir si ça fonctionne, si l'enregistrement passe bien, s'il n'y a pas de soucis techniques. Donc je voulais essayer ça. Alors, on va voir. Est-ce que vous me recevez correctement? C'est simplement un petit essai. Voilà, est-ce que vous me recevez correctement? Ce serait sympa de me répondre. Est-ce que vous me voyez déjà? Alors, est-ce que l'image est correcte? Est-ce que la bande passante passe bien? Alors, apparemment, moi, j'ai quelque chose qui théoriquement devrait passer bien, mais ce n'est pas garanti. Donc, voilà, simplement pour faire ce petit essai de fonctionnement. Alors, le son, mais pas la caméra. Tu as le son? Oui, bug un peu. Salut, ça bug. Voilà, donc. Salut, tout est nickel. Ah bon, certains, donc a priori, ont tout nickel. Ça me paraît pas mal. Alors, je vais essayer ça. Voir ce que ça peut donner. Alors, périphérique de capture. Voilà. Donc là, on est reparti sur un autre écran, en principe, si tout va bien. Donc, vous devriez voir mon écran d'ordinateur. Alors, je ne l'ai pas forcément en direct. Le son est décalé. Bon. C'est donc pour un petit test, mais en tout cas, je vais en profiter peut-être pour vous montrer un peu la plateforme Agriculteurs d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez tous. Donc, il y a. Voilà. Bon, l'image bug un peu. Voilà. Alors, on va refaire un essai avec une autre solution de dépannage. On va voir si ça va mieux comme ça. Alors, hop. Pourtant, j'ai théoriquement quelque chose de correct au niveau du. Ça devrait être parti là pour pouvoir fonctionner. A priori, voilà, on doit être bon. Vous allez me dire si ça va mieux là au niveau de la connexion. Étant donné que je viens de changer tout simplement de système. Alors je ne vois pas exactement ce que ça donne. Voilà, ici ça va mieux. Est-ce que pour vous c'est correct? Est-ce que vous avez un bon son, une bonne image? Ta vidéo avec David est en double. Oui, je sais, c'est un petit test. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Non, je sème pas maïs, c'est fini. Alors là, est-ce que ça va mieux au niveau du son et de l'image? Alors on va essayer. Alors je vais me mettre en écran principal, voir un peu ce que ça donne. Bien sûr, celui-là, il déconne. Alors est-ce que ça fonctionne pour autant? Voilà. Là, c'est reparti. A priori. Donc là, voilà, j'ai mis en écran principal. Et là, je remets derrière. À chaque fois, il y a un problème. C'est un peu ennuyeux, mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est correct. Bon, allez, on va essayer de partir là-dessus. J'ai encore un bug avec ma caméra.
Voilà. Donc, non, voilà, c'est reparti. Bon, donc je vais vous présenter la plateforme agriculteur d'aujourd'hui, comme je vous l'ai promis. Ça va être un peu rapide, hein, on n'aura pas. Voilà. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez aller sur agriculteurdaujourd'hui.com. Vous allez retrouver tout simplement les dernières vidéos que j'ai éditées. Alors, on a entre autres celle du live avec David, donc Amakuma. Là, c'était un mauvais live. Bon, voilà, on a parfois des bugs au niveau des vignettes. On avait l'ancienne vidéo Tour de Plaine. Alors, si vous allez cocher, par exemple, sur une des vidéos, vous allez pouvoir trouver tout simplement. J'ai mis le mode ralenti. Alors, je ne sais pas. Une fois que vous allez accéder donc à la vidéo, vous allez pouvoir aller voir son contenu, bien entendu, donc en allant cliquer dessus. Alors, pour l'instant, ça rame pas mal. Pourtant, normalement, au niveau débit, ça devrait aller mieux que ça n'était, mais c'est un peu compliqué. Alors, c'est en train de rechercher. Voilà, j'ai recliqué dessus pour aller voir. Bon. Voilà, donc c'était l'état de mes cultures. Voilà, on arrive donc sur la vidéo. Donc vous pouvez aller tout simplement la mettre en lecture pour avoir la mise en lecture de la vidéo. Par exemple, l'état de mes cultures. Hein, c'était mon dernier tour de plaine que j'ai envoyé là dernièrement. Et si je fais une pause. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit tour de plaine pour aller voir un peu principalement les cultures de printemps, à quoi elles s'en tiennent. Je vous rappelle que si vous voulez voir toutes mes vidéos, vous pouvez aller sur. Alors je pense que je tire pas mal sur mon ordinateur en lui-même. Voilà, alors on va repartir en arrière. Je vais revenir tout simplement sur la page d'accueil. Alors, je ne vois pas si ça avance bien. Oui, c'est sec un peu par chez moi. Bon. Voilà, donc là, après, on a les dernières vidéos qu'il y a pu y avoir avec les autres YouTubeurs. Donc, vous avez par exemple. Ah, ça y est, on est reparti en haut. Non, voilà. Donc, vous avez. Les vidéos qu'il peut y avoir, alors je ne sais pas qui c'est ici. Là, c'est Alex qui avait mis sa vidéo voilà, où il sème du tournesol. Il y a une vidéo, le fumier, ça pue. C'est Théo qui a mis ça, mais c'est super pour l'environnement, donc oui, c'est vrai. Les dernières vidéos que j'avais faites donc, avec Thomas sur le labour avec le fast track. Et si vous allez chercher tout simplement sur le côté. Alors c'est vrai que ça ralentit pas mal. Sur le côté, vous allez pouvoir aller chercher par exemple, selon les tags, les différentes possibilités. Et si je fais simplement une recherche en mettant une culture comme carotte, est-ce que je vais avoir des vidéos concernant les carottes? On va regarder si ça arrive, mais normalement, oui. Donc voilà, bah, dans le tour de plaine, oui, j'avais mis des carottes. Donc, l'arrachage, la dernière vidéo sur l'arrachage de carottes, la préparation de sol et de semis de carottes, voilà, le tour de plaine dans mes carottes, adventice des herbages, alors il y a d'autres tags apparemment, voilà, donc vous pouvez faire une recherche par mot aussi. Ensuite, si vous ne me connaissez pas trop, vous pouvez tout simplement aller sur pour commencer, et là vous verrez comment se passe. Les différentes leurs possibilités. J'ai un petit bug. Alors c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai que ça doit tirer un peu sur ma connexion. Alors, je vais faire un petit essai, c'est de débrancher mon deuxième écran pour voir si j'arrive à quelque chose. Voilà, est-ce que on aura un meilleur résultat?
Alors là, vous avez la plateforme OBS qui s'affiche. Je vérifie comme ça que mon écran est correct. Et on va voir si tout simplement, on arrive à un meilleur résultat, peut-être en débranchant mon deuxième écran. Ça a l'air déjà d'être beaucoup plus net. Alors donc, pour commencer ici, voilà. Ensuite, qui sommes-nous? Je présente tout simplement Enfin, je me présente, hein, un peu d'histoire. Pourquoi? Patati patata, voilà. Alors là, ce qui est étrange, c'est que j'ai un bug sur la plateforme. Le formulaire de contact, si vous voulez m'envoyer un petit message, c'est toujours possible. Voilà. Et là, je vais vous mettre en direct la plateforme pour vérifier le flux. Je ne me lance pas dans les vidéos sur farming. Non, pas encore. Je ne joue pas à farming. Voilà. Alors. Voilà. Donc là, on a les vidéos par catégorie, éventuellement. Et puis j'avais mis aussi quelques coupures de presse qu'on avait pu voir. Voilà, que j'ai reçues tout simplement moi. Et puis c'est les différentes coupures que je peux avoir. Donc voilà, on a la formation communication par exemple. Et puis différentes coupures de presse qu'il y a pu y avoir précédemment dans les journaux sur mon activité de communication, entre autres. Voilà. Et puis après, les accès aux formations machinisme, éventuellement télescopique, formation communication. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors, est-ce que vous avez éventuellement quelques petites questions à me poser? Alors, dans ce cas-là, je vais tout simplement remettre celui-là, le bugger. Normalement, ça devrait repartir. Voilà. Et si je regarde ici, je vais voir le tableau de bord. Alors apparemment, au niveau vidéo, le niveau est faible. Attends, j'ai un ordinateur qui théoriquement ne devrait pas trop ramer, mais apparemment ne devrait pas trop, c'est pas toujours réel. Donc voilà, là. Je vais modifier un petit peu l'écran. Je fais du live. Hein. Là, c'est vraiment en direct. Salut Stervio, ça va? Alors, je ne sais pas si la plateforme est buggée au point où je n'arrive absolument pas à voir ce qui se passe. Alors, salut les gars, si vous avez quelques petites questions, je vais prendre un tout petit temps pour répondre à vos questions. Alors pourquoi j'ai activé le mode ralenti? Ah ouais, pour les questions peut-être, ouais. Oui, Stervio, c'est vrai, je suis invité en août pour aller voir la plantation de tabac. Ça devrait pouvoir se faire normalement. Pourquoi tu t'as laissé dans le bio? Bonsoir. Pourquoi tu t'es laissé dans le bio? Alors, écrivez correctement vos questions, parce que sinon, je ne peux pas y répondre.
Alors, est-ce que l'image est correcte? Est-ce que le son est correct? Dites-moi si vous voyez ce que vous voyez comme écran. Parce que moi, j'ai un retour plutôt décalé. Donc, sur ton site, qui peut poster des vidéos? Alors, c'est moi qui choisis qui poste les vidéos. Donc, j'ai choisi pour l'instant les différents utilisateurs. Bon, ça devient assez compliqué. Désolé, désolé, mais je crois que je vais arrêter parce que j'ai corps du bug. J'ai un problème technique, je pense, par rapport à ça. Je ne sais pas comment réguler ce problème-là. Pourtant, en principe, j'ai de la bande passante. J'ai du débit possible. Donc, pourquoi ça ne va pas? Je vais réessayer en direct par la connexion fibre, mais c'est quand même assez limité. J'ai été un peu déçu de ce truc-là parce que je pensais avoir la fibre et pouvoir faire des lives plus facilement. Mais apparemment, ça reste compliqué. Voilà, là on est reparti a priori sur la fibre. Est-ce que ça va arranger les choses au niveau débit et au niveau sortie? Alors, t'es en bio depuis combien de temps? Toi, depuis 2008? Non, moi, depuis beaucoup moins de temps, étant donné que ça fait 3 ans que j'ai converti des parcelles en bio, et donc c'est relativement récent. Tu m'as l'air fatigué. Oui, c'est possible. C'est possible. J'ai toujours l'air un petit peu fatigué, hein. Mais c'est vrai qu'en fin de journée comme ça, ben voilà, la journée s'est faite et puis on a démarré de bonne heure. Donc voilà. Augmente ton débit sur OBS. Bah oui, mais je peux pas dépasser la limite de ma connexion. Je suis à 5000 kilobits par seconde. Donc je peux essayer d'aller voir, mais je ne sais pas si je peux le modifier non plus. Voilà, je vais aller voir. Alors, débit, je vais essayer d'aller l'augmenter. Allez, pourquoi pas. Appliquer. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose de plus concret? Alors, est-ce que si je monte aussi. Alors là, je viens de mettre à 5000, donc ça me permettra d'avoir un essai un peu mieux. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Alors, est-ce qu'il faut que je passe peut-être en 720, tout simplement, pour que ça passe mieux, c'est peut-être une des solutions aussi. Par contre, du coup, j'ai perdu. Alors, vidéo. Faudra peut-être que j'essaye de modifier la résolution de base pour arriver à. La caméra a bugué encore une fois. Alors je vais stopper pour l'instant et reprendre tout de suite après.